Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. Comment nous est aujourd'hui? Comment nous est à soir? Nous bien contents que vous là pour venir passer un petit moment ça ensemble avec nous. Et pendant minutes ça, que nous allons passer, nous allons parler de mal-vente. Nous allons avoir un paquet de raisons qui sont capables de cause mal-vente. Donc, mal-vente, c'est mon seul problème que lié. C'est plusieurs problèmes. Et nous pourrons garder ensemble et nous pourrons venir, nous pourrons voir quel traitement qui est capable de faire pour capable aider ou résoudre le problème mal-vente que vous avez. Donc, non pas M. Serge Destin, moi c'est un nurse, moi c'est un fitness trainer, un auteur, un présentateur et moi content pour que je sois capable de partager mes messages ensemble avec vous chaque lundi à 8 h p.m. East l'heure New York. OK, chaque lundi 8 h p.m. le New York, donc nous live sur Facebook pour que nous puissions partager conseils ensemble avec vous. Parce que but nous, c'est pour capable venir plus en forme chaque jour. Donc, réflexion pour aujourd'hui. Hein? OK, comme nous connaissons, toujours un petit temps pour me réfléchir, pour venir partager ensemble avec nous ce que je pensais avant que nous entrions dans le sujet. Hein? Parce que je crois que réflexion est importante en pile. Très souvent, nous gagnons en pile activité, en pile souci dans la vie qui kembe sous mouvement. Quand on ne pas jamais bon petit temps pour nous chita vraiment, pour nous penser. Nous toujours sous mouvement, toujours bon inquiétude, toujours bon bill pour payer. Donc, il faut bouger. Mais c'est notre temps, et l'on prend le temps pour réfléchir, pour venir avec des idées, avec des projets pour capable mettre la vie ou dans un autre niveau. Donc, c'est ça que je me suis dans ça. Moi, généralement, petite réflexion le plus souvent, je m'a fait exercice pendant le gym. Je suis capable de réfléchir sur situation, sur problème, et tout faire des plans et des projets qui sont capables de mettre la vie, mais avec la vie de l'autre monde. Dans l'autre niveau. Donc, nous avons posé cette question, quelle différence qui gagne entre critiquer et encourager? Quelle différence qui gagne entre critiquer et encourager? Donc, nous connaissons que critiquer gagne deux sens là-dedans. Un sens positif, un sens négatif. OK? Un sens positif, nous connaissons lorsque y a un monde font bagarre. OK, ou à côté mon nom, ou dit mon nom, OK, mais qui soit fait qui bon dans son affaire, mais qui soit fait qui mal, et mais qui j'ai pour capable corriger. Donc, ça, c'est une forme de critique que lié, et ça, c'est critique positive. Parce que l'objectif là, c'est pour que mon nom capable faire mieux la prochaine fois. OK, ça, c'est objectif là, ça. Mais, critiquer n'a pas lié, c'est critiquer négatif là. Parce que critiquer positif là, nous pas faire ça en pile. Nous pas faire ça en pile. Mais critiquer négatif là, tout le temps, nous avons fait. Dans la radio, dans la télévision, les nouvelles, ok, nous toujours après de critiquer négatif là. Donc, nous approchons pour dire un bagage, le plus souvent, c'est critique négatif que lié. OK, et on connaît que ça critique négatif là, c'est dit moun nan ça fait qui pas bon avec le but pour capable humilier moun nan. Avec le but pour que moun nan pour capable faire moun nan sentir que li pas en rien que ça la fait à pas représenter en rien. Ou mettez moun nan bas. Ou monter tête tout, ou mettez moun nan bas. Ça c'est critiquer négatif là, c'est lui-même que nous-mêmes haïtiens malheureusement nous folle ça. Et je viens comprendre pendant ma réflexion que ce n'est pas un bagage qui vient lorsque nous venons adultes. C'est un bagage que nous développons depuis l'année petit. Depuis l'année petit, nous apprenons à faire critique ça, ou à critique négative ça, ou à critique qui vient pour nous capable humilier l'autre. Depuis l'année petit, nous apprenons ça. Et je suis allé à l'école. OK? Là, on ne peut pas faire belle note.
qui ça nous fait? Nous critiquons, nous enniel, nous relè crétin. Donc, depuis l'en petit, nous apprenons ça. Nous t'appelons innocemment, mais nous apprenons. Et même parents nous yon tout, nous ne pouvons pas condamner les parents, mais dans condition ignorance, des fois, yo encourager ça toi parce que les petits monde l'on parle à petit monde l'école OK les yo by carnet OK les yo by carnet petit monde ça va faire belle note depuis dans la cour l'école là parents commencer humilier depuis la cour l'école là la humilier la prêler sous lui elle quand même bal bâton depuis dans la cour l'école là des fois qu'elle bal bâton depuis sorti dans l'école là juste rive la caille ti moun apprend bâton yo monte camionnette y a dit raconter tout moun comment ti moun nan fait crétin donc son bagage que nous grandit avec lui garder à côté négatif là et puis c'est focus sur lui au lieu pour nous focus sur côté positif là l'homme rentré aux États-Unis. Première année, fait commencer à entrer à l'école. Rentrer directement dans le collège, ça a nommé en Haïti université. Nous commencer à apprendre. Nous rentrer dans cours biologie et dans cours ça était très bon là-dedans. Parce que sorti en Haïti, nous connaît biologie, c'est pas que OK, donc nous pas de problème crasé pas que hein. Donc nous crasé. Je suis bon en chimie tout parce que chimie et section CM de fait en Haïti. Donc, je suis en chimie très bien. Et là, je suis ici, je suis entré dans le collège là. Moi, que chimie que j'ai fait, c'est chimie niveau seconde. Vraiment que j'ai fait. Donc, ça veut dire que je suis crasé par là. Donc, quand ça m'a évolué l'école là, professeur, je viens commencer prêtez attention à elle. Et il y a une profession, un professeur blanc, OK, doctorat, professeur blanc, il approche, professeur biologien l'approche. Et il dit, est-ce que je ne peux pas t'aimer? Est-ce que Serge, est-ce que je ne peux pas t'aimer pour capable enseigner Simon? Pour capable enseigner notre jeune universitaire. Et ça, il y a tutoriel, ça, il y a leçon. Okay? Est-ce que je ne peux pas t'aimer? Bah, leçon. Moi, je réfléchis dans la tête. Je me fais rentrer. Anglais, pas bon, c'est collé, m'a collé pièce. Mais dame, nan vin côté moi, en blanc, li connaît mon accent, li ouais, que c'est collé pièce, m'a fait en anglais. Juste après, je me fais collé pièce, m'tou. Je me fais collé pièce, m'tou. Mais li pas gardé à ça. Il n'y a pas gardé à problème ça, à la négativité ça, comme il y a. Surtout, j'entends parler aux États-Unis qu'on y a de problèmes racistes, il n'y a pas un petit noir, avec un gros accent dans la bouche, et puis il y a une côté pour dire est-ce que je ne peux pas aimer pour me bailler petit blanc, yo leçon. Si blanc dans le classement, yo, c'est pas aimer pour bailler leçon. Donc, ça vient faire que ma mentalité vient un petit gentil fait. Parce que, un côté, ma pensée, comment je vais faire ça, anglais, pas bon. On l'autre côté, je regarde un petit, bon, professeur, vin côté, en dépit de gens que lui wem, lui dit pour me le son quand même, et il y a PM pour ça, pas PM, pas pile cop, mais il y a PM quand même, il y a un cop gaz pour mettre dans ma machine pour me venir à l'école, donc, pas de problème avec ça. Donc, je viens de dire d'accord, ma fèle. Et c'est comme ça que je viens à bailler tout le monde sa leçon, bailler jeune garçon, jeune fille, pareil, moi, et avec blanc, à bailler leçon dans biologie et dans chimie. Ça te vient encourager ma pile. Ça te vient encourager ma pile. Et ça te vient aider pour qu'on puisse faire plus d'efforts, ça vient aider tout pour qu'on puisse avoir plus confiance dans la tête. Parce que, en dépit de
imperfection en dépit de négativité que me gagne, de problèmes que me gagne, moi que yon l'autre monde pas garder à problème ça et wali regarder à positivité à nan même, ça vient encourager pour me faire ça que m'a faire. Et c'est là tout bas la commencer. Donc jusqu'à présent, m'a enseigné biologie. C'est ça que a fait là pendant ce choix. Donc c'est une raison qui vient bam passion pour me faire ça que m'a faire là. C'est parce que bon monde qui était wèm qui encourager. Il pas garder à ça pas café, il pas garder à problème que m'te gagne, il garder à ça que m'te café et il promouvoir ça. Donc ou même captain de nous t'aimer que nous même haïtiens nous commencer changer mentalité. Pour que nous pas garder à ça qui négatif là. Garder à ça positif là et puis promouvoir, encourager. Bagaille pas facile. Mais nous ca arriver si youn supporter l'autre, nous ca arriver. Donc c'est le petit conseil ça que me donner pour aujourd'hui hein, c'est une petite réflexion pam que me partager avant ou même sous un bon pour apprendre. OK. Et de voir que nous gagne pour semaine ça. De voir pour semaine. C'est baisser, toucher point pied. OK? Chita sur mon chaise. Mal font petit bac, mais j'ai quand même un petit genre plus, ta démontrer lui. OK? Levez deux mains en l'air, chita sur une chaise qui droite, pas une chaise qui roulante, qui a bougé, une chaise qui droite. Et puis, baisser, toucher les oreilles. Levez deux mains en l'air, baisser, toucher les oreilles. Faites ça 10 fois. Si vous avez un problème d'eau, eh bien, m'encourage Mabdou pour checker avec le docteur avant de faire exercer ça pour ne pas gagner plus de problèmes. OK? Si vous avez un problème d'eau, avant de faire ça, à checker avec le docteur. Merci ou en forme, eh bien, m'encourage pour faire cet exercice-là. Donc, nous saluons tout le monde qui est ensemble avec nous à Soya, tout le monde qui attend de nous. En nous bien content que nous sommes live là et m'a checké ça. Si nous avons des questions, pas négliger, partager ensemble avec nous, pas négliger poser et nous faire de notre mieux pour que nous soyons capables de répondre. Donc, partagez la là, nous allons rentrer dans le sujet nous. Côté que nous allons parler de mal-vente. Faut me dire avant que nous rentrons, si vous allez chercher belle, si Mario, tant que Mario que nous avons sous nous. OK? Ça qui fait mal, je dis, il fait un pire fort demain. Belle, si Mario, avec des pensées positives en créole, checkez le website nous, enformgears.com, enformgears.com, et ou même quand vous jouez belle Mario, belle hoodies. Et un pilote produit, d'ailleurs, nous avons un nouveau produit qui a venu. Donc, pendant la semaine, non? Et la semaine prochaine, lundi prochain, m'a présenté un nouveau produit. Yo. Donc, commencez à checker le website là, depuis qu'on y a. Et si vous aimez le travail que nous avons fait, subscribe et puis like page nous, page Enform Health and Fitness sur Facebook. Ou bien sur YouTube et vous capable de joindre plus d'informations, plus de vidéos sur de présentation que nous avons fait. Et dernière annonce, nous c'est lancement website training, nous training website nous hein, qui c'est www.metemenforme.com/yes. Donc nous invitons vous à checker website ça. C'est un website qui est dédié à vous-même pour capable aider vous venir plus en forme chaque jour. Pour capable en forme, il faut qu'on fasse effort chaque jour. Vous pas qu'à faire effort un jour et puis 29 autres jours dans le mois, vous ne pas faire rien. Il ne pas marcher comme ça, malheureusement. Donc, c'est un effort pour faire et nous là pour nous aider, nous là pour nous guider. Pour être capable de mettre pire en forme chaque jour. Donc, checkez le website là, www.metemenforme.com/yes.
On nous entre dans le sujet noir, partagez le live là, partagez-le. On a entré dans le sujet noir, mettez par rapport à là. Nous pouvons parler à ce de malvente. Qui ça, qui la cause malvente? On nous fait un petit détour. Et puis pour nous faire un petit biologie, un petit anatomie et physique. Nous pouvons regarder vente là. Nous tous nous connaissons ça, vente nous y est, côté vente nous y est. Mais qui ça qui en dans vente là? Parce que vente là, c'est un endroit dans le corps qui gagne plus d'organes. Okay? Son bon organe qui en dans vente là. Donc, lorsque vous descendez, vous regardez la photo ça qui là. Vous gagnez poitrine qui en haut là. Et pour gagner diaphragme qui passe là, qui couvrit foie. Ça, c'est foie et diaphragme couvrit ça. Donc, vous gagnez, manger à descendre, il descend dans l'œsophage, ça, c'est l'œsophage là. Il descend et puis là, dans l'estomac là. Ça, c'est l'estomac. Donc, manger à fond titan dans l'estomac, là, quand elle prend grec acide, li, qui pour aider à craser, manger à fin, réduire, manger à différents éléments nutritifs que le corps lui-même a besoin. Donc, c'est la digestion. Donc, digestion a fait là, un pile mouvement a fait là. Donc, lorsque manger à fin tourner liquide, li commencer, li passer dans petit intestin. Donc tout ça qui là c'est petit intestin, tout zigzag ça roi petit intestin. Et lorsque il fin passer dans petit intestin, qu'on y a la li abouti là qui c'est gros intestin. Vous regardez petit que ça là, c'est ça relé appendice là. Et ou gagnez gros intestin manger à passe dans gros intestin à li monter. Après, ça passe dans. Ça, c'est l'autre partie dans le gros intestin toujours. Donc, gros trip là. Et puis, il descend. Il descend par derrière là. Et puis, il y a l'anus là. Et puis, il mange sacrité à déchets. Il sortit là. Donc, ça, ce sont de gros organes et qui n'ont du système digestif là. Mais c'est pas seulement qui impliqué, nous avons d'autres organes qui dans ventre là qui aussi impliqué dans système digestif. Donc il y a ça qui est le gallbladder qui c'est vésicule biliaire qui là. Ou bien il y a un organe qui là qui couvre comme on pas capable vraiment, c'est pancréas. Pancréas, nous t'ai parlé de pancréas en pile déjà lorsque nous t'ai parlé de diabète. Donc, si vous regardez la vidéo diabète, nous avons deux vidéos sur diabète déjà, donc vous êtes capable de checker sur la page YouTube. Nous. Et puis, vous avez un foie qui est là. Donc, tout organe ça est involve dans l'affaire de digestion. Maintenant, votre là, ce n'est pas seulement organe digestif qui gagne, il y a d'autres organes. Donc, ça qui est là, qui est le spleen, qui est la rate en créole. Spleen, ou gagne tout deux reins. Ou gagne rein gauche là avec rein droite là. Et puis il y a d'autres organes qui pas vraiment considérés comme faisant partie du ventre, mais que nous allons parler de eux quand même parce que on tient en bas ventre là, c'est organes tako organes urinaires, et organes sexuels, ok, qui en bas là, et nous parlons pour nous toucher tout lorsque nous avons parlé de douleur vent. Donc, ça, c'est anatomie ventre. Pour qui ça nous oblige à venir là, pour qui ça nous oblige à parler de anatomie? Parce que nous avons parlé de douleur vent. Douleur, c'est un symptôme que lié. Douleur, c'est un symptôme
de yon problème. Sou gen douleur vante, sa di ke gon problème nan vante. Men lorsko ap gade a tout organ sa ou ki gen, ou ka pose tèt ou kesyon, nan ki organ nan vante lan douleur ay. Paske gen plusieurs organ, se pa tout organ yo afekte an menm tan. Donc, e pa paske gen douleur nan vante, sa va vle di ke tout organ sa ou ap ou wè la, yo tout malade, yo tout gen problème. Non. Gen doit gen yon, gen doit gen deux ou trois là dedans qui gen problème, mais ça veut dire que tout gen problème en même temps. Donc, docteur, nurse là, li important pour nous pour que capable identifier qui organe qui a souffri, qui organe qui gen problème de façon à ce que capable bon médicament qui approprié. Et c'est sur ça que nous prenons le focus en plus à souhait pour nous garder à différents organes, différents types de douleurs, et puis nous venir avec des solutions pour douleurs. Donc, je me dis, douleur, c'est un symptôme de un problème que vous gagnez dans le ventre, de un problème que vous gagnez dans un ou plusieurs organes. Pour capable aider dans l'identification qui organe qui a bien plus problème qui a bien problème non ou pas besoin ou pas prêter attention à l'autre symptôme qui gagne parce que des fois c'est pas seulement symptôme douleur qu'on ressenti c'est pas seulement douleur qu'on ressenti il y a d'autres symptômes qui des fois accompagnés de qui accompagnent douleur ça et symptômes ça il y a important parce que yo capable aider identifier qui organe qui a bail problème là. Donc, on nous parlait de quelques symptômes qui capable accompagner yon douleur dans ventre. Ou gagner gaz. Gaz, on peut que nous tout qui là nous habitué avec gaz, nous pas assez gaz. Donc dans senti gaz dans vento ou gen vent ballonné ou ka senti qu'on voulait vomir ou senti vomir ou pas vomir non mais ou senti vomir en voulait venir ça rele nauséaté on croit que c'est moi ça en créole et puis tout gen vomir donc si le ou al ton docteur ou dit vent la pas mal docteur va demande est-ce qu'on vomit. Est-ce qu'on sent tout gain nausée? Est-ce qu'on sent si c'est gain gaz? Donc docteur va demander tout bagage ça va donc important. Ou gain doit tout sentir acide. Ça me pense que presque tout haïtien quand senti acide. Moi même ça fait longtemps que m'pas senti. Ça fait longtemps. Peut-être qu'a senti un acide mais peut-être il y en a deux fois par année et là ça pas même c'est pas un bail qui dure peut-être on dit ça 15 minutes et puis il passe pour continuer bah j'ai besoin d'un médicament pour ça et acide c'est un gros problème lié pour un pile haïtien et nous gagnons pour nous parler un pile de ça et pour nous capable boire tout des solutions des remèdes qui capable aider au combat acide dans l'estomac. Nous gagnons crampes surtout pour mesdames crampes OK et c'est ça que quelqu'un me dit que c'est important pour capable garder à toutes ces symptômes et à l'autre organe même leur organe pas dans votre là par exemple leur dame gagne crampes elle gagne période elle gagne règle les gagne crampes ils sentent douleur dans votre là douce douleur dans votre OK ou bien tout quelque droit douleur en bas à votre. Mais c'est crampe là, l'air du crampe là qui va aider à identifier vraiment qui côté problème dans il y a. Donc tout bagage ça est important. Ou gagner constipation. Dit constipation c'est le monde pas aller à la selle pour plusieurs jours. Constipation capable un symptôme parce que si vous constipé ça ou pas fait plusieurs jours ou pas aller à la selle. Eh bien, ça capable bon votre fait mal. Diarrhée tout capable bon votre fait mal.
Diarrhée, c'est pratiquement opposé de constipé, diarrhée ou juste après aller, ou après aller, ou après aller. OK? Donc, et après aller de l'eau. Donc, le plus souvent, diarrhée accompagnée de douleurs dans le ventre. Donc, si cet homme, ça, il est très important pour que vous soyez capable de rapporter à un docteur ou bien à un nurse, quel que soit le monde qui a pris dans ce moment-là, parce qu'il va aider à identifier qui côté problème là et l'aider à joindre qui remède, qui solution à problème là. Et cet homme, ça, il n'est pas tellement grave, grave. OK? En pile là, il est capable de passer pour continuer après quelques heures ou bientôt. Nous allons venir sur plus de détails sur ça. OK? Moi, si j'ai anticipé qu'on y a là. Et ça, comme je voulais dire, c'est que cet homme, ça, il n'est pas tellement grave que tu as couru à l'hôpital. OK? Ou pas besoin de courir à l'hôpital. Mais il y a d'autres douleurs de ventre de vous sentir obligé de courir à l'hôpital. Par exemple, cet homme, d'un coup, sous cette douleur fort en pile, il fort en pile, et puis il fait un couteau. Vous sentez son couteau, il a rentré dans le ventre. Donc, douleur, ça a le droit à un bagage qui est dangereux. Donc, relève le docteur tout de suite. Si vous sentez douleur chaque fois que vous finissez manger, chaque fois que vous finissez manger, vous sentez une douleur dans le ventre. Relève le docteur, parle avec le docteur. Ni capable d'un bagage grave. Si vous avez un vomissement qui durait plusieurs jours, vomissement qui durait plusieurs jours, ou bien diarrhée qui durait plusieurs jours, 2 ou 3 jours, OK? Ça, plusieurs jours. Vous devez aller le docteur, vous devez contacter le docteur. Si vous avez vomissant, gen douleur ventre et puis va vomissant. Son bagage pour le docteur tout de suite. Si tout le monde aller à la selle ou est sang dans la toilette là, eh bien, contactez le docteur. Symptômes, ça, ce sont des symptômes qui sont graves. Ce n'est pas toute la dame qui dit qu'il faut courir vers le 911. OK? Mais c'est pour contacter le docteur. Dernier symptôme, ça, c'est le senti douleur à traverser, aller dans le bras, aller dans les épaules, aller dans le cou. Surtout, bras gauche là, épaules gauche là, bras gauche là. Le senti douleur à marcher dans le corps. OK? Ça, les gaillets, en anglais, on dit radiate. Senti douleur radiate dans nan zépol ou avec nan cou. Le sa forer le docteur tout de suite et ou quand même besoin à un docteur. Pour qui ça? Moi dis ça c'est parce que très souvent douleur ça l'on sentit c'est pas vraiment une douleur de ventre que lié. Lorsqu'on sentit douleur après aller dans zépol ou sentit douleur monter dans cou, c'est pas vraiment une douleur de ventre que lié. C'est une douleur dans le cœur que lui. C'est ça, really, bon, c'est ça, c'est là où on a gagné un heart attack, un arrêt cardiaque. Lorsque on a gagné un arrêt cardiaque, il sentit douleur dans le cœur, douleur dans le cœur, il a un problème dans le cœur, arrêt cardiaque, eh bien, douleur à traverser, lui, on a senti douleur après aller dans les épaules, il sentit douleur après aller dans le cou. Donc, douleur, ça, son bagage très grave, c'est une urgence que lié, c'est courir à un docteur tout de suite. Donc, on peut remarquer que, n'a pas parlé de douleur vote, et puis mentionner douleur, ça, douleur cœur, ça, comme faisant partie de douleur vote. Pour qui ça? C'est parce que, quoi que y son problème dans le cœur, il y a pile monde qui sentit l'inavocat. Donc, moun nan vin koto, moun nan djou ke li santi douleur nan vot, alors que en réalité, ce n'est pas douleur nan vot ke liye, c'est douleur nan kè. OK? Mais c'est expliquer li, m'espérer qu'on comprenne ça en tout. Et ceci vice versa tout.
Les vice-versa. Parce que des fois, moun nan kon gon problème nan vot, li gon doule nan vot, et puis moun nan senti que c'est la poitrine que problème nan yon. Et moi-même, comme infirmier, lorsque moun dit que j'ai un problème dans le ventre, c'est que je toujours checker le cœur. Parce que moun nan ka di gon problème dans le ventre, mais en réalité, son problème cœur que li gen. Même si tout moun nan gen un problème cœur, et puis il senti un problème, moun nan gen gon problème dans le ventre, et puis il dit que c'est dans la poitrine que li senti. Qui raison qui est capable de causer votre faire mal là? Grand pile raison, m'a mentionné très rapidement pour vous. Vous gagnez indigestion. C'est-à-dire, vous faites manger, à pas digérer bien, donc ça va votre faire mal. Vous gagnez food poisoning, c'est le manger à gâter. Le manger à gâter, il n'est pas bon, et puis on va le manger. Moi, j'ai un pile bactéries, un pile, oui, c'est pour vous sentir malade après ça. Donc, capable de tout food poisoning, les manger à pas bien laver. Tant que par exemple, trop longtemps de ça, tu as gagné cas E. coli aux États-Unis. E. coli, c'est parce que vous n'avez pas bien lavé salade là. Donc, lorsque moun yo al manje salade la, et puis gen bakteri sa ke le E. coli yon entre dans l'estomac moun nan, et puis fè an pil moun malade, et même kwen ke gen 2-3 moun ki te mouri nan bagay sa. Donc, c'est ça qui fait que l'important pour qu'on toujours bien laver, manger ou bien nettoyer avant cuit et avant manger. Gen allergie. Moun ki gen allergie a yon seri de manger. Donc, dépendamment de qui allergie que vous gagnez, corps capable de réagir différemment. Et en plusieurs fois, ventoux payer pour allergie ça. Et parmi les allergies, on parle d'allergies obligées de considérer tout celiac disease. Ça veut dire celiac disease là. Et maladie celiac. Par contre, si en pile si haïtien en Haïti familier avec maladie, ça ne me pas connaît. Mais cependant, c'est une maladie qui a grandi en pile aux États-Unis. Moi, dans l'église haïtienne, je connais au moins 3 haïtiens qui font maladie celiac disease là. Celiac là, c'est lorsque nous avons un problème avec une série de produits qui ont gluten là-dedans. Gluten là, c'est une protéine que vous trouvez dans le blé, dans l'avoine, dans le genre de bagage ça y a. Et puis, depuis que vous mangez ça y a, eh bien, votre monde réagit. Et puis, vous avez fait mal. Moun sa, son moun ki fait celiac. Et nous avons pour nous faire une émission spéciale sur celiac parce que j'aime Zolan, son bagage qui a grandi en pile. Et moun ki fait celiac qui est obligé de faire une diète qui est spéciale. Et tout le côté au passé, il faut que vous toujours demandé des questions. Ouais? Faut toujours demander qui ça gagne à manger. Parce que blé, c'est un bagage qui est utilisé en pile aux États-Unis, en pile produit qui est blé là-dedans. Donc, moun sa, faut que toujours garder les bons pour make sure que pas de produit blé, pas de produit gluten dans ça que y a manger. Sinon, la malade. Donc, nous allons parler sur ça en pile, c'est un bagage qui a grandi aux États-Unis. L'autre problème qui est capable, l'autre raison qui est capable de faire mal, c'est gaz. Gaz. Nous avons une infection, nous touchons un peu d'infection, on parle de food poisoning, mais tout capable d'avoir d'autres infections qui sont capables de causer que vous avez fait faire mal, qui sont capables d'attaquer votre. Vous avez ulcère l'estomac, ulcère l'estomac. Encore, il y a une maladie qui est très répandue parmi les Haïtiens. Nous gagnons pour nous faire une émission spéciale sur ça tout, parce que nous croyons que les graves en pile, nous qui ont acide dans l'estomac, ou bien acide, eh bien, acide ça peut développer un ulcère d'estomac et les baïmoun en pile problème, les haïtiens en pile problème. Alors, là, on parle de acide là, tout le monde a acide dans l'estomac. OK? Acide là, l'important, c'est pas gagner, pas faire digestion. OK? Mais,
bon gens pour gérer lui, bon gens pour gérer lui, qui pour permettre qu'il est en santé, ok? De façon à ce que l'estomac ne soit pas dommagé et puis pour pas avoir de problème. Donc, nous allons entrer sur ça et laisser en avoir plus d'explications, plus de détails sur comment a fait acide là, comment il agit, comment acide opéré. Et lorsqu'on comment acide dans l'estomac opéré, eh bien, on prend soin de l'estomac, eh bien, on va bien trop de problèmes. Et puis, toutefois, je me dis que je fais mention de ça, je parle un petit peu de ça dans le livre. Comment pour casser ventou, quel que soit l'âge. Donc, dans le livre, je des conseils comment prendre soin de ventou. Et nous avons des idées, des solutions qui peuvent aider les gens qui ont un problème acide dans l'estomac. Malheureusement, je vais retirer le livre sur Internet, côté que l'IPAP est disponible encore. Ok, nous disons ça sur une dernière là. Ma pour tirer li pa disponible. Donc nous quitter gèt gèl yo, bien content pour à Lille, à checker et wa pour conseil yo. Et moun ki pa gèt gèl yo, va besoin fin décourager parce que la raison fait que nous retirer livre là, c'est parce que nous avons l'autre version que nous va mettre dehors. Nous va mettre en l'autre version, il y a une version qui pi élargie très bientôt, peut-être avant la fin de l'année, j'espère. Que nous avons une version qui est élargie, qui est disponible en format e-book et aussi en papier. Que, parce que nous avons un grand pile haïtien qui préfère le papier, qui est un pile haïtien qui n'est pas tellement familier avec la technologie. Donc, il est important pour nous mettre le papier. Mais là, ça n'est pas gratis. Comme ça, ce n'est pas gratis. Nous connaissons que l'affaire gratis, là, pour un pile monde, il n'y a pas gratis. En plus, le monde gagne ça qui est gratis. Depuis le gratis, il apprend. Si ce n'est pas gratis, il ne va pas apprendre. Mais même j'entends, moi, je marque quelques groupes de monde. Si le gratis, il dit que le gratis parce qu'il n'est pas bon. C'est parce qu'il n'est pas bon qu'il fait le gratis, là, donc nous parlons là-dedans. Donc, je finis par PIA, PIA a fini. Donc, nouveau version qui est venu. Son version payée que la pied, c'est une version qui a beaucoup plus élargi, qui a gagné plus bagage là-dedans, plus données là-dedans. Donc, déjà préparé, préparé pour chou, pas fait par l'empile, pas bail gratis encore. Pas besoin de l'im, pas besoin de demander, ni pas gratis, ok? Donc, il y a ulcère dans l'estomac qui cause douleur, il y a cancer qui cause douleur. Sur le cancer de l'estomac, cancer colorectal, nous avons fait une émission déjà qui parlait de cancer colorectal. Donc, on est capable d'aller sur YouTube, nous, en forme Health and Fitness, ou bien Facebook, en forme Health and Fitness, là, capable de voir vidéo ça que nous avons fait sur colorectal cancer. Des médicaments, tant antibiotiques, vous êtes capable de voir votre faire mal. Ou gagner supplément en fer, supplément de fer, capable de faire mal. Médicaments pour descendre le cholestérol, capable de faire mal. Et chimio, drogue chimio, tout capable de faire mal. Donc, pour un paquet de raisons qui peuvent faire votre faire mal, il faut que vous preniez le temps pour analyser, il faut que vous gardiez les symptômes d'abord, okay? Qui sont les symptômes qui accompagnent de douleur là. Et puis pour regarder qui cause. Qui, est-ce que son douleur que je gagne, elle me fait fin manger? Est-ce que c'est une infection que je gagne? Est-ce que son médicament que je prends qui fait douleur, qui fait bien douleur dans votre langue? Donc, il faut garder à toute considération ça. Dernier élément que vous devez garder, il y a un autre élément que vous devez garder. Et docteur, on va poser une question sur ça tout. C'est qui zone qui gagne douleur? Parce que zone importante, il peut aider à identifier dans qui organe que douleur a eu. Donc, lorsqu'on regarde le ventre, nous-mêmes qui sommes dans le domaine médical, il y a un bagage que nous faisons lorsque nous demandons une question sur le ventre.
Nous diviser votre en quatre parties. Bam, fais ça pour vous. Donc, nous, nous avons divisé votre en plusieurs parties, en quatre parties, nous faisons un petit chaos. Nous avons une partie horizontale, c'est à peu près moitié votre mais c'est qu'on voit bah, la carte assez. Il n'est pas fin de droite. Et puis nous descend, et puis nous divisons en vertical. Donc, il y a quatre carreaux. Yon à droite en haut, à gauche en haut, à droite en bas et à gauche en bas. Donc, nous prenons des mounes dans qui zone ou senti douleur. Et ça a aidé pour identifier qui genre de douleur que mounes a gagné. Par exemple, si mounes dou li senti votre fait mal dans la zone à droite en haut, un organe qui à droite en haut, c'est organe ça qui est gallbladder ou bien vesicule biliaire là, organe vers ça. Eh bien, gien droit c'est là problème nan yé. Parce que des fois moun kan gagne pied là dedans. Même si on moun kan gagne pied nan rien, eh bien on moun kan gagne pied nan vesicule biliaire là. Et lorsque moun nan gagne pied nan vesicule biliaire là, li a fait moun nan mal. OK, on l'autre exemple, l'homme de moun nan ki kote moun nan a gen vat fè malan et puis moun nan indiqué ou li di bon sentil nan zone droite en bas. Eh bien, yon nan raison ki capable fè zone droite en bas gen problème capable c'est si ça, si organe ça qui relé appendice là. Appendice là. Le appendice ça enflé. Eh bien douleur raide. Douleur à raide. Et le appendice là enflé le plus souvent, c'est chirurgie immédiatement. Parce que si appendice là enflé à cause d'une infection, docteur pas avlé pour appendice là éclater. Il a éclaté. Et là, éclaté, il gagne infection, eh bien, moun sa a gagné un pile problème. Donc, moun sa depuis moun nan ap djou li gen douleur nan zone sa la dou premier bagage que docteur a suspect c'est yon appendice et puis couri fait examen pour moun nan rapide et si yo wè que appendice la enflé y a fait et chirurgie rapidement pour capable retirer appendice la. Donc ou ka comprendre que zone sa yo important en pile m'a pa ou quelques liste, ok, on tire liste tout petit, ok, de observer d'exemple pour qu'aboué qui genre de douleur que mon aboué senti dans zone sa yoa. Donc soit garder dans zone en haut mon n'a gen droit dou li gen problème acide douleur li dou vent qui a fait mal li dou dans zone en haut et bien gen droit son problème acide gen droit c'est un problème dans ésophagie dans tube ésophage là gien droit c'est un problème dans vésicule biliaire là nous tout ça déjà gien droit c'est un wash en pierre dans vésicule biliaire là gien droit c'est pierre dans rein tout OK ou gien deux rein ça qui là donc dans tout ou gien rein droite là ou gien rein gauche là donc capable gien pierre dans rein gien droit tout son problème dans pancréas il y a plus dans zone mi-temps pour arriver sur bord gauche là. OK? Donc mon n'a donc si arriver problème dans la zone gauche là, il doit son problème de pancréas que mon n'a gagné. Et puis on te parler tout de douleur cœur. Mon n'a doit avoir problème dans foie, mon n'a tout qui doit avoir hernie. Une hernie dans l'estomac. Et c'est une bagarre qui très douloureux le mon n'a hernie dans l'estomac. L'autre raison qui capable garder qui si on monde gagne problème en la partie en bas dans ventre là. Exemple de problème que le capable gagner, bon exemple appendice là déjà. Gagne droit gagne problème
Gen wak gen problem IBS, sa wè le irritable bowel syndrome, ki son problem kote ke van moun nan trez irite. Donk le plus souvan se nan zon intestin yo, ke moun nan li sentil, nan zon sa yo wala, an zon an ba. Gen yon problem Crohn's disease. On ma di ke le Crohn's disease, mba gen ta cheke mou kre la bouni. L'autre problème qui est le diverticulitis, qui a fait dans la zone gauche là toujours, ça c'est le grand pile petit boule, grand bon petit boule en dent tripio. Et puis tout, lorsque vous avez un problème dans la partie sexuelle, vous pouvez sortir dans le ventre, vous pouvez sortir dans la zone en bas ventre. En cours, le jambé de joie, mesdames, vous avez un régio, eh bien, vous pouvez sortir dans la zone en bas ça là. Vous avez un cramp. Yo senti en bas ça. Mais tout yo gen problème ovulation tout, y a senti en bas ça. Les yo gen douleur nan ceinture. Gen ça rele tout ectopic pregnancy. Ectopic pregnancy c'est là que zoya li fin sperme nan fin fécondé zoya et puis au lieu pour la lan utérus là, eh bien li rete nan tube là. Li rete nan tube là. Qui pas normal. Il pas supposé être dans tube là et elle était dans tube là comme ça la grandit dans tube fia et bien dit douloureux en pile. Donc fia ça a senti douleur dans zone en bas ventre là. Monsieur Otto, d'un gain problème prostate enflé et bien le senti douleur et bien il pral répandre tout dans ventre là. Dans zone en bas ventre. Donc cadran ça il très important parce que il permet qui identifier by docteur by nurse là une idée de qui côté problème là est une idée de qui organe qui t'a affecté et lorsque on identifie qui organe qui a affecté là ça on capable joindre qui médicament qui traitement pour by pour capable résoudre problème là. Donc quand on voit que sujet arrive en pile parce que problème yo en pile. Problème votre fait mal là pas un seul problème. Votre fait mal là capable plusieurs problèmes. Pour capable joindre un traitement, faut qu'on connaît qui problème lié, qui ça qui la cause votre fait mal là. Donc à soi ne pas bonne solution, ne pas bon remède à soi parce que faut remède yo marcher avec problème yo. On pas ka dou de pou gen votre fait mal al prend ça. Tout votre fait mal pral. Non, li pas ka dou ça. Parce que faut me connaître qui côté votre fait mal là hier. Si me pas connaître qui côté votre fait mal là hier, me pas ca bon médicament pour lui. Donc semaine prochaine, nous allons parler de médicaments, nous allons parler de solutions, de qui ça qu'on capable faire de façon naturelle surtout qui capable aider avec votre fait mal. Nous tout qui là, on croit que nous gagne quand gagne pas faire. Pas connaître si bon haïtien qui capable dire que pas j'aime gagne votre fait mal. Même quand même quand gagne votre fait mal, mais ça fait longtemps. Ça fait longtemps depuis que votre fait mal pas un problème pour moi. Bason j'ai depuis qui année de m'était vraiment grand votre fait mal. OK? Et je crois que c'est à cause de changement que moi fait au cours de ces dernières années qui aidé résoudre problème votre fait mal que moi gagne parce que que m'te kan gen, parce que m'te kan gen problème votre fait mal. OK? Et m'te kan gen très souvent. Mais ça fait de quelques années depuis votre moi en forme. Donc, et j'en dis là, même pour un petit acide, peut-être une fois ou deux fois par année, m'ka senti un petit acide monter, et puis 10 minutes après, problème là, elle fait OK. Donc, m'ka partager solution ça avec vous, m'ka partager secret ça ensemble avec vous, semaine prochaine, lundi prochain à 8h. Brancher, faire l'autre monde connaît, partager message ça avec tout le monde sur Facebook qu'on connaît avec sur notre réseau social tout et rendez-vous moi ensemble avant c'est pour lundi côté que me parle bon qui remède ou qu'a fait pour votre fait mal pour différents cas de votre fait mal que vous même vous capable expérimenter. Donc passez une bonne nuit. Moi, j'aime nous. Bye bye.